L'état de mon sommeil avant l'apparition du psio peut être considéré comme catastrophique. J'étais victime de difficultés d'endormissement et de réveil nocturne. Ça engendrait des répercussions néfastes sur ma vie quotidienne. Je manquais d'énergie pour mon activité professionnelle, d'entrain pour la construction de projets et de motivation pour le sport. C'est arrivé avec l'apparition de la maladie de mon conjoint qui m'a causé une inquiétude permanente et des angoisses nocturnes. Ça s'est malheureusement répercuté sur ma qualité de sommeil. J'ai découvert le psio grâce à une amie et maintenant c'est devenu une routine, c'est-à-dire que le soir en allant me coucher, j'utilise le psio, je mets un programme sur la thématique du sommeil et dans 99% des cas, je m'endors avant même la fin du programme et je me réveille que quand le réveil sonne. Et ça, je peux vous dire que ça change la vie. Le psio, tout simplement, m'aide à mieux m'endormir. Il me suit partout. Je fais énormément de voyages entre la métropole et la Guyane. Je le mets dans mon sac, dans l'avion. Je mets certains programmes. Quand je suis au travail, à la pause du midi, je mets un programme de relaxation. Quand je me sens un peu stressée, je mets des programmes sur la gestion du stress. Il est léger. Il prend pas de place et il amène des bienfaits immédiat. J'ai mis à peu près une semaine à ressentir les bénéfices sur ma qualité de sommeil. Les deux premières nuits, quand j'ai essayé, j'ai eu une nuit un peu agitée, c'est-à-dire que j'ai dormi mais j'ai beaucoup bougé. Et puis petit à petit, ça s'est atténué pour que maintenant, finalement, j'ai retrouvé ma qualité de vie d'antan, ma qualité de sommeil comme quand j'étais petite. Et je suis heureuse d'aller me coucher parce que je sais que je vais dormir et que le lendemain, je me réveillerai de bonne humeur, pleine d'énergie et en ayant envie de créer plein de choses et de profiter de la vie tout simplement.